Salut YouTube, n'hésite pas à ne pas me suivre sur Tipeee, parce que j'y suis pas. Bisous. Et en plus, je fais pas du contenu antisémite, alors ça marche pas. On est toujours sur Horizon Zero Dawn. Ah, vas-y, tourne. Tourne à l'œil, tourne. Je suis bientôt au niveau 41 d'ailleurs. Trop bien. Et je mange des tomates. Moi, ça m'intéressait au plus haut point, promis. Ouais, non mais... Je savais. Tu vois, déjà en commençant en disant si on répond oui, du coup on passe à autre chose, je savais déjà que le sujet n'allait pas t'intéresser. Tu vois, j'avais tout réfléchi. Google a démonétisé le compte d'un ricain qui se fait des couilles en or en comptant des grosses conneries sur la pandémie. Bah, c'est bien en fait. Enfin... C'est plutôt pas mal, quoi. Je trouve. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais là. Parce que là, j'y suis pas encore allé. Pourquoi j'y suis pas encore allé? Qu'est-ce qui s'est passé pour pas que j'y aille? Feu de camp. Marchand. Hein? Faut que j'aille là? C'est quoi la quête, là? Rejoindre le belvédère. Ah oui, c'est vrai. Yes. Donc. Feu de camp ici. Into. J'avais pas découvert un camp de... Ah si si, mais attends, non. J'avais pas découvert un camp de malfrats récemment, en me disant tiens, je me ferais bien le petit camp de malfrats là, j'aime bien ça les camps de malfrats. Je vais leur casser la gueule. Ah bah oui, il y en a un là. Ah, c'est pas à côté hein. C'est pas à côté hein. C'est quoi ça? Je ne sais point. Alors le petit projo. Alors je fais feu de camp ici, une tout fleur de métal. Oh, je sais pas, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs dans le jeu là, c'est infernal. Allez, vas-y. Les autres plateformes de financement participatif ont déclaré vouloir faire le ménage. Ouais, non mais là, enfin... À la limite, tu peux être entre deux eaux, dire ouais, bon, effectivement, tout ça, machin. Putain, mais le mec là, il te dit... Non mais... Moi, les contenus antisémites, si c'est pas condamné, moi je les défends. Ah, ok. D'accord. Bah écoute. Et donc, ça, c'est le fils de Jean-Jacques Goldman. Celui qui chante des belles chansons où faut aimer tout le monde, l'amour, tout ça, quoi. Franchement, pas ouf. De quoi vous parlez? On parle de du fils de Jean-Jacques Goldman et de Tipeee. Où il a déclaré qu'il défendrait les contenus antisémites si le temps qu'ils n'avaient pas été condamnés, c'est pas grave. Ça lui pose pas de problème lui. Tant qu'il touche du pognon. Tant que les contenus fonctionnent, ça marche. Et que ça marche. Encore un matin quoi. Ça, un matin pour rien quoi. Oh, tu connais un peu l'histoire des Goldman en plus? Ouais, bah oui. Oui, oui, en plus, quoi. Ouais, mais là, le pognon... Le pognon n'a pas d'odeur. Laisse-moi tranquille, étrangère. J'ai pas besoin de mercenaires, mais d'un miracle. De quelqu'un qui peut me dire qui a massacré mes hommes. Je suis une bonne pisteuse. Je pourrais t'aider. Raconte-moi. Un massacre pur et simple. 5 gardes de nuit déchiquetés façon carotte râpée dans la carrière. Cinq hommes tués? Comment? Je sais pas. L'un d'eux était un ami d'avant la libération. On travaillait dans cette carrière en tant qu'esclave pour le roi démon. Mon ami, que la lumière l'accompagne. Il savait se battre. Et donc Bibi, ouais, l'un des seuls vidéastes qui est sur la plateforme qui a défendu les propos de Michael Goldman, c'est Bruce de Y Penser. Et en fait, Bruce a des parts dans Tipeee, quoi. Voilà. Voilà le résumé de ce qu'on parlait. Ça fait un petit moment que je suis plus Bruce. Hein. Suite à ces sorties bien de droite. Cette vidéo était sympa, mais le mec est vraiment connard. Ça peut être des machines?
Je vois pas comment. La carrière est clôturée de partout. Et j'ai jamais vu une étincelle faire ce genre de choses. Je regarde enfin un peu le jeu, c'est fou la qualité. Merci. Tu as remarqué quelque chose de bizarre ou d'inhabituel ? Voyons. Ah oui, des bouts de cadavres dans une mare de sang. Ah, désolé, je suis sous pression. Pas l'habitude des meurtres. Ils sont trop bien mes petites tomates là. Habituel. Enfin si, on a fait quelques explosions. C'est sûr que ça change de Broforce. Et Sarah Vad a dit. Et de Isaac. Après tout, ça n'a aucun sens. Vous vous servez d'explosifs ? Oui, on s'en sert pour faire sauter les socles rocheux. On fait ça une semaine chaque année. Mais ça n'a rien à voir avec ces morts. Ils ont été déchiquetés, pas explosés. Ah, le mec connaît la différence. Allô ? Merci. Qu'a dit Sarah Vad exactement ? Bah, rien. Il délirait au sujet d'un tas de pierres là-bas. Il a dit qu'il ne l'avait pas vu hier. Je lui ai dit, c'est une carrière ici. On déplace des pierres toute la journée. Les pierres qui bougent, c'est pas si surprenant, abruti. Je vais faire le tour de la carrière. Ah, c'est donc de ça ? Pardon, j'ai fait un petit rototo. C'est donc de ça, il y a Johanna qui me parlait. Est-ce que t'as fait la quête de la carrière ? Donc j'imagine qu'elle me parlait de ça. Ah, mais Sbrou, c'est proche des Z, pas surprenant. Les Z, c'est les zététiciens. Ceux qui font des ouin-ouin avec les yeux à cause des yeux laser. Il y a des gens qui sont méchants. Ils mettent des photos de profil, c'est des yeux laser. Et ils se sentent... et ils se sentent clairement attaqués. Mettez pas des yeux laser sur vos photos de profil, les gens, c'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est vraiment méchant, hein. Les zézettes. Faut pas toucher aux zézettes, attention. Hein. Le mal des esthéticiennes, hein, c'est pas les mêmes. Ok, le feu de camp débloqué. Je pense que je vais en prendre plein la tête. Si Johanna m'a dit, dis donc, cette quête-là, tu l'as pas faite. Tu vas bien rigoler, tu vas bien t'amuser. Je pense que ça va être horrible. Comment je descends? Ah d'accord, il y a un chemin. C'est formidable. Hop. Oh, il y a des trucs, regardez, il y a des bonbonnes d'explosage dans le milieu là. Oh, il y a un coup de merde quoi. Ça vibre. Allô, ça vibre. De la flambée, assez pour une belle explosion. Oh, des palettes. Regardez, ils ont des grosses palettes comme nous. J'ai un peu de mal à comprendre ces histoires de zététique. Ah rien, c'est... T'es un beau bébé, pas vrai ? What ? C'est quoi ce machin ?
Viens par là. Ça a pas marché du tout, hein. Ça n'a pas beaucoup marché, hein. Faire quoi? Attendez. Oh là là là, mais c'est dégueulasse. Oh là 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 là, plein la tronche. Il est où? Il est là-bas. Aïe! Merde. Mais qu'est-ce que... Pourquoi ça fait ça? Bon. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ouh. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Il est où? Bon, je lui ai claqué pas mal de sa carapace. Qui est plutôt une bonne nouvelle. Merde. Combien? Ah oui. Bon, je sais où faut les taper du coup. Du coup, je sais où c'est... Où c'est efficace. Par exemple, je comprends toujours pas cette histoire de canard. Hein, quoi. C'est des mecs qui ont inventé le chaude pour pouvoir parler comme des connards imbus d'eux-mêmes et qui ont toujours raison.
Parce que le scepticisme scientifique, ça a toujours existé. Non, mais c'est clair qu'ils sont sceptiques. La plupart. Alors, y a du bon à prendre, y a du bon à prendre dans ce genre de trucs, quoi. Mais ouais, non, ils ont un melon assez ouf. Et donc, ouais, ce qui est sceptique, c'est pas que les mecs, quoi. C'est un peu leurs idées aussi, quoi. Je suis pas resté pour regarder, mais c'est là que j'étais impatient que tu rencontres. Ah, bah oui, bah effectivement, ouais. Un beau bébé. C'était un beau bébé. J'espère qu'il n'y en a pas des masses, hein. Oh mais regardez, je suis à... Non mais... Je suis à 840... Non, 940. Non. Combien? Allô? 940. Du prochain niveau. Le mec, il sait plus compter, quoi. J'avais pas vu qu'il y avait un... File-moi ça. J'ai jamais vu une machine pareille. Oh, ni une chasseuse pareille. Tiens, prends ça. Ça vient des stocks de la carrière. Mais personne ne pourra dire que tu ne l'as pas mérité. Vas-y, à l'œil. Le soleil trop balèze. Mon ami. Trop balaque. En particulier quand tu combats ce qui jaillit du sol. Ouais, j'ai vu mieux. L'autre, ouais, j'ai vu mieux. Foutage de gueule. Ah bah regardez mes points, ça y est, je les ai. Berm. Qu'est-ce que je peux prendre? Bah rien encore. Hein. Parce que je veux mon esquive prodigieuse là. Par contre, je peux aller dans mon inventaire. Oh putain, les boîtes au trésor. Hop, parfait. Artisanat, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Rien. Rien. Mais mes cordes, je vais les... Ouais, je vais m'en servir plutôt ici. Plus 10 en santé max, c'est parfait. Bon, c'était cool du coup, cette petite quête. Finalement, j'ai bien fait de faire un petit détour, comme d'habitude. Je voulais faire quoi sinon après? Allez là! Regardez, je vais aller là. Puis après, into fleur de métal. Alors que je pourrais aller directement là. Ouais, mais là, je débloque le feu en même temps. Allez, let's go. Ça pue le traquenard quand même, hein. Non, le coin pourri, quoi. Il y a une piste. Pourquoi il y a une piste? Pourquoi il y a des cadavres? Pourquoi? J'aurais dû prendre un chariot. C'est bien.
Comment je grimpe, je... Par là. Allez. Allez, Aloy. Elle veut pas. Hein. C'est quoi ce merdier? Je sais pas, on va dire, on s'en fout. Coucou Johanna! Eh bien, tu viens de rater la quête de la carrière. Je viens de faire la carrière là. Tant pis pour lui. Hein. Ah mince, combien de morts? 0. Je l'ai fait first try. Sans blaguer. Hein. En fait, je me suis aperçu, ouais, il y a enfin, je lui ai enlevé pas mal de sa... Des plaques en métal. J'ai déglingué les plaques en métal. Je te crois, pourquoi je remettais en doute? Parce que tu remets tout le temps ma parole en doute. Pourquoi? Bah, tu le fais tout le temps. Et j'ai déglingué les plaques en métal et derrière en fait ça a libéré un truc. Enfin une zone. Et je faisais 530 de dégâts dessus. Et donc ça... Sa vie elle a fondu. Sa vie elle a fondu au machin. C'est quoi que je cherche ici? C'est une fleur, ok. Mini, comment tu vas? Et on fait le jeu sur PS4 et sur PC, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, j'ai senti la différence entre le 30 FPS et le 60. Ah, ça m'écorche. Comment ça, contrairement à ce que les gens disent? Ah mais attendez, mais... Attends, mais... Pendant la pause, j'ai fait un truc, j'ai oublié d'envoyer le message. Désolé, hein, YouTube et Twitch. Il faut que j'envoie un message de manière urgentissime. Tac, tac. Et d'ailleurs, ça va peut-être... Chut, chut, chut. Putain, vous avez tout entendu. Vous avez tout entendu ce que j'ai envoyé. Il va y avoir un petit drop de frame là, normalement. Parce que évidemment j'envoie des données sur internet. Donc drop de frame. Mais hop, c'est envoyé. C'est bon, ça drop plus. Tout le monde voit pas la diff entre le 30 et le 60. Alors autant entre le 60 et plus haut. Moi mes yeux ils commencent à dire ouais bof. Mais entre le 30 et le 60. Quand même. Tout le monde n'est pas voyant, effectivement. Vous avez vu, enfin j'ai vu ça sur Twitter. Un mec qui joue à Street Fighter et il est aveugle. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça peut servir.
Et le mec joue contre ses viewers. Et genre, il éclate pas mal de ses viewers, quoi. Je trouve ça assez rigolo. Et en fait, le mec se base uniquement sur les indices auditifs pour se positionner, quoi. C'est juste ouf, quoi. Le jeu est pas prévu pour. Et le mec... J'ai déjà joué à Battle Toshiden Arena avec l'écran éteint pour rire. Je sais absolument pas ce que c'est comme jeu. Donc je ne peux pas être impressionné par, par ce fait, mais on va faire un truc. Jeu de combat en 3D sur PS1, d'accord, ok. SF2, c'est un jeu d'arcade, il y a beaucoup de pros qui suffit aux indices auditifs. Moi ça me choque pas. Ah, il est pas sur SF2 hein. Il est sur le 5. Il me semble. Enfin ouais, le 4 ou le 5. Et oui. Enfin, mais il y a quand même une différence entre TD de l'auditif et jouer que à l'audio, quoi. Le mec joue uniquement à l'audio. Alors effectivement, ouais, dans les indices audio, c'est cool, quoi. Mais là, le mec joue que avec ça. Et de ce qu'il disait, ouais, non, c'est il gagnait 9 matchs sur 10 avec contre ses viewers, quoi. Tu vois, c'est là où est le truc, quoi. C'est effectivement, oui, tu peux avoir... tu peux t'aider de l'audio, quoi, mais là, lui, non, il fait que avec, quoi. Ça va être là-haut, hein. Enfin, ça va être là-haut. 7 sur 10. Ah. Super cool ce qu'il fait, en tout cas, c'est impressionnant. Ouais, non, mais c'est chouette. Ah mais ah mais ouais, ok. Oh là là, d'accord, j'ai compris. En fait ouais, là il y avait le... Oui, c'est là où il y avait eu la machine spéciale là. Ok, d'accord. J'ai compris. Bon, non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire ça, mais je veux me téléporter ici. Merci. Oh, mais il va y avoir... Puis faire ça avec un jeu qui est pas prévu pour, c'est ça qui est rigolo aussi, quoi. Effectivement, il y a les indices auditifs, quoi. Mais rien que le fait que le mec sache où il se trouve, enfin, c'est... du génie, hein. Enfin, du génie, non. Beaucoup d'adaptation, je pense. Les crocs de Fainéante, c'est juste les meilleurs. Ah, tu les fais à quoi? Vas-y. Le petit repas du dimanche, là. Enfin, j'ai tellement rien dans le... j'ai tellement rien dans le frigo, moi. Alors nous avons un ravageur, deux ravageurs et deux cornes filantes. Ça promet du très bon. On va bien rigoler, hein.
Ah mais attendez, ravageur. Ravageur, c'est des gros ou c'est des pas gros? Ravageur. On les a dedans. J'arrive pas, Johanna, à faire le... à faire le tuto, là. Ah mais attendez, je peux... regardez. Pour une fois, je vais utiliser les armes qu'on me donne. Regardez. Pour une fois. Je vais devoir me battre. Ça marche pas! Ça ne marche pas! Je n'arrive pas à faire ce putain de tuto! Ah, y'a le... Regardez. Un jour, ils vont me laisser le choper ou pas? Shit! Oh les salauds! Bon, j'ai quand même mis des bons coups. Putain, mais c'est chiant! Ah, vivement que je puisse faire des... Ah ouais, il passe à travers. Allez. Toi tu dégages. Je devrais changer d'arme. Après... Street Fighter, c'est beaucoup du zoning, hein, et selon le perso qui joue, il peut pas... Attends, il peut se battre de la même manière au cac qu'à distance, parce que je pense que la spatialisation soit si bonne que ça. Je pense pas que la spatialisation soit si bonne que ça, ouais, spatialisation, pardon, en France, on parle français. Il faut plusieurs câbles jusqu'à ce qu'il bouge plus. Ah, utilise le lance-câble au lieu de l'arc. Râpez une carotte finement. Émondez les tomates pendant que les oignons confisent dans une cuillère à café d'huile d'olive. Ajoutez les carottes, coupez les tomates en dés, puis les rajoutez à la préparation. Tu as une cuillère de moutarde et une autre de demi... Non mais t'as... Hein, mais t'as dit que c'était simple. T'as pas dit que c'était le truc de feignante? Il est en train de nous parler d'un truc là qui prend 12 heures. Laissez confier le truc de feignante. À laisser confier 45 minutes. Non mais moi mes crocs de feignant, moi c'est 5 minutes hein, la préparation. Une fois le confit cuit, laissez monter le croc. Une tranche de pain, une tranche de raclette, une couche de préparation à la tomate, une tranche de raclette, une couche de préparation, une tranche de raclette. On referme avec une tranche de pain de mie et hop, grillé dans la machine à croque monsieur. Ça c'est pas du tout un truc de feignant ça, c'est pas un truc du dimanche soir ça.
Ça, c'est pas banal. Ça, c'est pas banal. Hein. Alors, est-ce que je vais en face ? Do I go in face ? Yes, yes, I do speak very well English. I speak Wall Street English. Don't judge me. Do you know Wall Street English? Voilà, si je mettais le point, ça irait mieux. Voilà. Voilà, tout de suite, je vais mieux savoir où ça se trouve. Hein. Est-ce que vous pensez que je peux tomber d'ici? Comment je vais faire? Sauf que l'astuce, c'est que j'ai toujours de la sauce prête d'avance. Donc j'ai juste à monter le croque-monsieur en mode fainéante. Ah ok. La sauce, faut toujours en faire 15 kilos et faire des conserves. Je congèle. Et je dois tester la mise en conserve. En plus, ouais, c'est plus... Enfin, ouais. Alors pour les sauces, petit tips. Pour les sauces, quand vous voulez faire de la sauce, mais que vous voulez pas décongeler à chaque fois l'entièreté du truc, ou y aller au pic à glace. Ah mais j'avais pas vu en fait, c'est des paraboles. En fait c'était des paraboles les gros machins. D'accord, ok. Et bah vous pouvez les congeler dans des... Bah, tout le monde connaît sûrement l'astuce, mais dans des bacs à glaçons. Exactement, dans bacs à glaçons, et ça marche vachement bien. Et pour les seus qui ne savaient pas, et bah maintenant vous savez. Alors donc, est-ce que les petits bâtards d'en face là, pourquoi ça? Mais je me suis complètement gouré, non? C'est là que je dois aller. Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie en tombant là, non? C'est bon, ça me l'a validé. Eh regardez, j'en viens là direct. Trop bien. C'est quoi les merdis en face? Ouais, non, c'est des... C'est autre chose. Ça, je sais plus. C'est plus ce que je dis, je sais plus comment je m'appelle, tout ça. Pour moi, congeler de la sauce, c'est une hérésie. Ça dépend des sauces, hein. J'ai pas le matériel pour faire des conserves. La congélation chez soi, c'est pas possible, à moins d'avoir de l'azote liquide pour le placard, dans le placard. Non mais... Ah non, tu parles... Non, bah non, c'est pas de la congélation, c'est de la surgélation dont tu parles, toi. Un congélateur, ça congèle. Par contre, si ça doit être fait dans des bonnes conditions, tout ça, pour garder les propriétés du truc, oui, à ce moment-là, il faut de la surgélation, et là, c'est plus compliqué. Ouais. Si je me trompe pas. Hein. Et voilà. Je garde ça pour plus c'est tard. Exactement ce que dit Johanna aussi. Si j'avais ce qu'il fallait, j'aurais congelé mon sperme moi-même. Hein. Oui, pardon, congélation, c'est de la merde, quoi. C'est ça que j'essayais de communiquer. Oui. Oui, parce que tu dégrades la matière, quoi. Hein. C'est, les cellules ont le temps d'exploser.
Dak, mais il va falloir que je monte, je pense. L'autre là à droite, là je sens qu'il va me griller frame 1 ce con. Je garde ça pour la route. Oh, ils m'ont vu. J'entends les piafs au-dessus là. Ils m'ont pas vu. Du coup, dans mes quêtes là. Les carapateurs, ils sont dedans. Donc. J'écoute ce que me dit Johanna. Et il faut que j'en mette plusieurs sur les animaux de. De taille plus grande. Par exemple, celui-là. La machine va vite. Ok. Putain, ça commence. Oh non, mais ça y est. Oh, oh là là. Oh là là. Oh là là. Allez, crache-moi dessus là. Ah, il veut plus. Nul, hein. Nul, zéro. Oh non, mais il y a les oiseaux en plus. Oh non, non, mais c'est... Non. Oh, mais ce jeu, c'est l'enfer. Il vient d'où? Ok. Allez! Et si vous avez déjà vu un combat plus bordélique, bravo à vous. Hein. Allez, King Carol. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Voilà, je suis coincé, voilà, je suis... Ah, voilà. Crève-le, 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 lui, il est mort. Voilà. Wouh. Putain, mais l'autre connard de piaf, là... Oh, toi, tu vas crever. Toi, tu vas crever, voilà. Voilà, voilà, merci.
Putain, mais c'est ouf! Non mais sans deck! Occupez-vous de vos affaires. Les oiseaux au lance-cap, c'est le paradis, même les plus gros. Putain, mais alors ce combat là sur le petit morceau de grève là, c'était l'enfer quoi. J'ai niqué toute ma vie, hein. Incroyable. Je sais pas comment les oiseaux sont arrivés là quoi. J'ai pas de place. J'ai pas de place dans mon inventaire. Comme d'hab. J'ai jamais de place dans mon inventaire alors que j'ai un million de trucs là et c'est nul. En volant. bravo Otto, tu gagnes ton poids en sucre. Mais non mais ils étaient, enfin ce que je veux dire c'est qu'ils étaient loin quoi. Ils étaient loin les oiseaux, ils auraient jamais dû arriver jusque là quoi. Bon, ce qui est bien c'est que j'ai réussi à faire le... Merci du coup Johanna pour le tuyau pour... pour les câbles. Je pense que j'aurais jamais tilté tout seul. Par contre, genre ça marche pas quoi, parce que là le carapateur, au bout de 2 secondes, il se détachait quoi. Donc j'ai pas l'impression que ça marche de ouf quoi. Non, c'est là-haut. C'est sûr que c'est là-haut. Oui, autant qu'il y a des trucs pour monter. Voilà. Je suis trop chargé. Ah, trop picolé. Putain, je suis trop chargeur. Au lieu de me shooter dans la ferme de Wyatt, je suis sorti et je me suis baladé près de l'eau. C'est juste ici que j'ai eu l'idée. Et à partir de ce moment... Ah non, c'est pas du tout j'ai des... Su que je devais le faire. Non, c'est pas des paraboles, c'est des trucs qui envoyaient des montgolfières. Maybe. En fait, c'était un parc d'attractions ici, quoi. D'accord. Bon, ça c'est fait. Ça a été compliqué, mais c'est fait. Ça a été très compliqué, mais c'est fait.
Qu'est-ce qu'on a? Putain, la chasse. J'ai toujours pas fait la chasse. Hein. Du coup, il me reste les mastodontes, les brise rock, les gueules d'or. Oh, putain, eux, ils vont être chauds. Qu'est-ce qu'on a? Mais qu'est-ce qu'on a tant pour foutre le feu? Non, c'est pas ça. Encore une petite fleur. Il est où le dernier Ah, il est là. D'accord. Là. Ok, on a un autre projet, on a des fleurs. Ah. Ah. Ça me botte bien, ça. Oh là là, il y a des trucs là en plus en haut. Mais est-ce que c'est pas la quête principale, ça? Mais si, c'est tellement la quête principale, ça. Donc à la limite, faudrait que je revienne ici. On peut-être aller vendre les trucs d'abord. J'ai pas un vendeur dans le coin là. On va aller là. Puis en même temps, on va voir les vendeurs de trucs remarquables. Genre les mugs. Hop. On va aller voir les vendeurs de mugs. Je crois que les vendeurs de mugs, ils sont par là. Enfin, du coup, les acheteurs de mugs. Ça, c'est celle qui achète les figurines Banouk. Alors, te voilà de retour. Commercer. Et donc, je peux avoir celle-là. Qu'est-ce que je peux vendre? Il y a des tresses lumineuses. On vend. Ça, voilà, ça c'est que de la vente. Ça on s'en fout, c'est que de la vente, vas-y. Ah ouais? Là, les cœurs de veilleur, voilà, j'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai en double? Mastodonte, ravageur, étincelle, piétineur. Cristal, tracker d'anti-haut de patte. Cœur de charognard, bon ça j'ai rien en double. Lentille. Mastodonte, ravageur, hop. Étincelle. Piétineur. Crasheur, carapateur. Haute patte, dancy. Oh là là, dancy. Tracker. Ça j'en ai pas des masses parce que j'en ai pas fait beaucoup. Testudien, les ratons. On va regarder. Hausse de raton. Charognard. Hausse de dinde. Les os de renard. Vert du désert. Mais ça, je m'en fous en fait. Galopeur, sanglier. Lentille de veilleur, lapin. Et après, c'est toutes les ressources un peu standard. La flambée et compagnie. Ça, je peux vendre. Ok. Johanna, t'es dans le coin ou pas? J'ai une question. Petite question pour Johanna. Johanna. Est-ce que Johanna est toujours là? Johanna. A priori non. Reviens me voir si tu... J'aimerais parler affaires avec toi, étrangère.
Vous avez vu. Les gens s'en vont, hein, c'est fou. Pierre, non mais je... Est-ce que je veux vraiment garder un truc où il n'y a que des pierres dedans, quoi? Ça, vas-y, on jette aussi. Ça, on jette aussi. Ça, c'était des... Ça, voilà, c'est les outils. Enfin, c'est les pièges. Éclat de métal, boîte de modification. Ok. On va dans l'artisanat, du coup. Je peux changer des trucs à mes machins. Ça fait quoi? C'est résistant à l'électricité. Ah, ça par exemple. Donc je pourrais dire, j'ai envie d'être encore plus sneaky. Voilà. Et donc je rajoute encore du sneaky au sneaky. Qui sont les sneaky? Ça fait quoi? Ah, fait rien, elle. Fabriqué par un méridien. Offre peu de protection, mais elle est entièrement personnalisable. Ah, c'est parce qu'on peut mettre 3 trucs dedans. Ah. Ah. Genre. Plus 18 anti-attaque à distance, plus 7 anti-feu. C'est quoi, ça? Plus 14 à attaque de mêlée. Plus 27 anti-feu. Ça me permet d'enlever des... Ah bah celle-là est... Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Donc c'est quoi? Ce symbole là c'est quoi? C'est anti-attaque à distance, d'accord. Ok. Bon. Les objets spéciaux, j'en ai plein, je suis très content. Et du coup, faut que je trouve la personne qui... Marchand de pièces spécialisées, les ressources... J'espère que le soleil brille dans ton cœur. Hein ? Ah oui, d'accord, ça coûte des éclats de métal, ok. Et le marchand qui est à côté, là? Aurais-tu un moment pour... De quoi tu voulais me parler? Ok. Tu es une étrangère, non? Une aventurière? J'étais comme toi avant. Je l'avoue, en parlant de ouais. Ça... Ouais, les fleurs, voilà, ok. Si tu avais d'autres fleurs poussent autour en formant des... Si tu m'en apportes... Tu as dit que tu étais... C'est exact. Gna gna gna. Je me suis fait un nom en recherchant les fleurs les plus rares des terres. Et après ça? L'amour, ma chère. Et ça vaut le coup? Bien sûr. La liberté est douce. Mais l'étreinte... Il a pris une flèche dans le genou. Ces fleurs de métal... C'est un autre jeu, ça. D'où elles viennent, au juste? Personne ne le sait. Certains disent qu'elles sont apparues il y a 20 ans, quand elles jaillissent peut-être des larmes du soleil. Il a bien furieux un jour, paisible le lendemain. Ah. Marche. Et donc je peux en avoir aucun pour l'instant. Ça marche. Donc lui c'est À la prochaine fois. Tu aurais un moment, étrangère. Donc lui. Les boîtes mystères. Putain, c'est Regardez, ça va être Arthur. On va rencontrer Arthur avec la boîte.
boîte de recyclage. C'est nul. T'es nul, toi. T'es nul, en fait. Oh merde, il est où? Ah. Ah, lui, c'est les mugs. Lui, c'est les mugs. C'est vrai. Commercer. Regardez, lui, je peux l'avoir. Bam! J'ai le truc des mugs, trop bien. Besson à l'honneur. Je te laisse reprendre la robuste. Aguerri. Non, mais ça. Arthur et les Minimoys, je connais pas. Je souhaiterais te parler un peu. Lui, il fait quoi? Ah. Oh, les tenues, normalement, je les ai toutes. Ah non, j'ai pas acheté ça. Cœur de coureuse. Donc, faut que j'en achète un à l'autre gars. Elle est classe. Et les armes, est-ce que j'ai tout dans les armes? Ah non, j'ai pas le... Ah, ma peau de sanglier... Mais je savais qu'il fallait que je bue du sanglier plus que de raison. C'était pour ça en fait. Et cœur de coureuse. Avec mon cœur de coureuse. Les fleurs, non? Les ressources de machine, voilà. C'est quoi ce détour qu'elle me fait faire là? Sérieux, une série, film d'aménagement. Non, mais non, mais je connais, mais j'ai jamais vu en fait. Je sais ce que c'est, mais j'ai jamais vu. Attendez, j'ai dit quoi? J'ai dit cœur. Attendez, les ressources, cœur. Non, c'est pas carapateur. Coureuse. Bam! J'ai tellement de thunes, hein. C'est vrai que les coureuses, à chaque fois, en fait, je les évite. Bah non, c'était pas toi. Hein. C'est lui? Non, c'était à côté. Hop! C'est acheté. Et nos petites emplettes, hein, c'est cool. Et bah voilà, on a fait nos emplettes. Que demander de plus? Rien. Ok. Ouais, j'ai des coureuses là. Oh là, il y a une fleur. Ah, en plus, il y a une zone corrompue, donc voilà. On va au faux de camp. On casse la gueule de toute la zone corrompue là. Into feu de camp, into fleur de métal. Évidemment. Oh, mais il y en a partout. Il y en a partout. Pourquoi j'y suis pas allé là? Pourquoi j'y suis pas allé alors que c'est facile? Coucou Blacky, comment tu vas-tu? C'est vrai que les antidotes et tout ça, les antipoisons, je les utilise genre jamais quoi. Un peu con finalement.
Vous me faites rire avec votre gimmick tous les deux là. Ça va, ça fait du bien de voir les copines. Par contre, j'ai le bide explosé. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, alors le sanglier. Sanglier. Ah bah la fleur, elle est là. Easy. Mais je crois que c'est une peau de sanglier qu'il me faut. Never mind. Attendez, parce que là du coup, j'ai fait une connerie. Voilà. Je veux aller là maintenant. C'est par où? C'est par là. Otto, t'as déjà joué à Albert et Otto? Albert et Otto? Qu'est-ce que c'est que ton jeu? T'es encore être bourré ou quoi, Blacky? T'es encore pété comme un coin? Oh, c'est charognard là, ça. Le dodo là. Voilà, merci. Ah non, c'est des... Non, mais non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est là, enfin, limbo du pauvre. 65% sur Steam. Ah. Pas l'air ouf, hein. Merde. Crotte de biquette. Désolé de casser l'ambiance. Bon, voilà. Ça, c'était pas trop compliqué. Je l'accueille. On prend ça, on prend ça, on prend ça. Les buettes, on s'en fout. Non, à côté. On prend ça, on prend ça, on prend ça. Ça, ça, hop, ça on laisse. Non, j'ai plus qu'une bière et c'est un jeu qui existe, un dé difficile que j'ai en one shot. Attends, j'ai fait un one shot sur ma chaîne. Navra Klimbo, mais malgré la difficulté, si tu veux faire un avis, va guetter sur YouTube. Re. Je faisais manger la marmaille. Merde, j'avais une question à te poser. C'était quoi la question que je voulais te poser tout à l'heure? Est-ce que tu te rappelles de la question que je voulais te poser Johanna ou pas? Ah regardez, il y en a un qui est caché. Trop rigolo. Ah j'ai bien fait. J'étais pas là donc non. Ah bah super.
Pour répéter la question. Je sais plus, c'était à propos des... Ah oui, est-ce que je peux revendre mes... Y a pas de problème si je revends mes anciennes tenues. Tu sais, les tenues qui sont pas violettes et les armes qui sont pas violettes. Y a pas de problème si je les vends. Attendez, parce que j'ai pas le bon arc là, je... Comment ? C'était après les oiseaux volants. Ouais, non, mais justement, ouais, c'était juste les habits, les tenues et les armes qui ne sont pas violettes. Est-ce que je peux les vendre sans ça me pose problème. Vu que a priori, je les réutiliserai plus. Une peau de dinde, c'est ce qu'il me fallait, je crois, non ? Oh, une peau de raton laveur, quoi. Tu peux vendre tout ce qui n'est pas violet sans souci, ouais. Ok, cool. Merci. Et donc, il va falloir que je me refasse des ratons laveurs. Qui sont quand même les animaux les plus compliqués à avoir dans le jeu, hein. Parce qu'ils se barrent à une vitesse. Alors, on les reconnaît bien parce qu'ils ont un cri très spécifique. Mais derrière, quand ils ont déjà commencé à crier, normalement vous les voyez déjà plus quoi. Ils sont déjà partis. L'Ancona, j'aime beaucoup la neige. Ah ouais, c'est merdique. Bah non, c'est tout uniforme. Bah non, c'est tout uniforme, ça devrait être mieux normalement. Oh! Merde. C'est ça, regarde tes potes. Merde. J'avais visé un tout petit peu trop bas. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Oui, pour un bon vieux macro-bloc, ça fait l'affaire. Ah merde! Putain, pourtant, ouais, si c'est uniforme, ça devrait être mieux. Ça je prends. Ça je prends. Là ça va mieux, enfin, c'est le temps que la carte graphique, c'est le temps que le GPU chauffe. C'est un diesel, il fonctionne au diesel mon GPU. Et du coup c'est le temps qui se fasse. Eh bien, c'est la neige hein. Pas trop de lumière, l'encodeur galère. En même temps, c'est du AMD hein, c'est normal.
Parfait. Regardez. Doucement. Bah avant le RTX, l'encodage GPU c'était de la merde, vu qu'AMD a toujours pas d'équivalent, ouais. On regarde, on voit que du blanc. Parce que vous n'êtes pas comme Blanquer. Blanquer lui il voit pas les couleurs, voyez. Je peux les pirater en plus maintenant, non? Défoncer. Il va se retourner un moment, je vais être derrière, je vais rien comprendre. Hein. J'arrive pas à le rattraper. Merde. Attendez. Piratement. Val serait content. Bah oui, c'est ça. Hein. Là y a du blanco, y a du white partout. Fun fact, la chanson de Manuel Valls c'est mon ma sœur Rittel. Ouais non mais pourquoi se faire autant de mal quoi. Pourquoi se faire du mal comme ça. Je comprends pas pourquoi tu te traumatises. à ceux qui ont la ref, dommage. Dommage pour vous si vous avez la ref. Je partage votre souffrance. Téléphone, crie mon amour. Mon amour à Borderlands 2. Ah ouais. Vas-y, suis-moi, toi. Tu vais pas me suivre, cet enfoiré. Ah, ça, j'y suis allé, je connais. Icono. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi je m'a... Ouais, non mais arrête. Mais vous avez des sonneries de téléphone? Moi je crois qu'on est tous sur Vibro depuis 2015. Moi c'est pareil, hein. Je suis en mode... pas de sonnerie quoi. J'ai écrit mon amour pour le vieux rock avec du Creedence Clearwater Revival. Ok. Je connais les paroles en catalan. Bah, c'est... Ouais mais... tu la racontes pas en fait, hein. C'est... c'est grave en fait. Mais il est toujours en sur, ah, d'accord, voilà. Vibreur c'est quoi? Eh bien, c'est les trucs qui font pas chier tout le monde. Je mets 5 minutes à répondre parce que je danse sur ma sonnerie. En même temps, qui... Ah non, mais déjà, qui appelle encore? Qui déjà appelle au lieu d'envoyer des messages? Déjà, qui... Je veux savoir. Hein. Arrêtez d'appeler. C'est envoyer des SMS, quoi. Des SMS, des mails, je sais pas, faites quelque chose quoi, mais arrêtez d'appeler quoi. C'est le truc le plus chiant au monde. Les appels téléphoniques quoi, c'est... Oui, avant on avait pas la technologie quoi, mais maintenant... Toi tu appelles encore, mais ouais, non mais faut arrêter ça. Hein. Arrêtons ça. Hein. Je descends vite.
Ok, bon, j'ai découvert mon feu de camp, je suis très content. Moi, j'aime bien entendre la voix de mes proches. Les amis préfèrent le tel. Non, mais il y a... voilà, il y a... Il y a... voilà, c'est prévenu. C'est prévenu, vous allez vous appeler, tout ça, et c'est ok, là. Mais mais quand les gens qui appellent... pour finalement, pour demander quelque chose et qui finalement en fait ça pouvait être demandé par SMS quoi. C'est regarde ça ou regarde ça, enfin tu vois. Mais non, les gens qui appellent pour ce genre de truc quoi. 20 minutes de conversation pour une question ou une réponse et 19:38 de oui c'est bien, c'est aussi simple que ça ouais. Non c'est ça ouais. Alors le mal des montagnes est descendre aussi vite, mais pas du tout. Putain c'est le mont Roche, c'est le mont Rochemort, regardez c'est le mont Rochemort. Bon là c'est des charognières, on s'en fout. C'est peut-être un petit peu hard pour que je descende par là. Là. Je me suis fait attraper. Je me suis fait vu. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait toucher par un charognard. Lol, une amie m'appelle. Oh non là là, mais sérieusement, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, c'est chiant à force. Tu te sens tellement déconnecté de tes amis et tes proches via ces médiums. Forcément, si vous avez des proches, on peut rien pour vous. C'est si loin que ça là. Y'a pas un raccourci là. Est-ce que je peux l'avoir d'ici? Eh, on va voir si je vise bien. D'où aille vise bien. On va le savoir tout de go. Ils ont retiré les extraits sonores en téléchargement sur le site Borderlands. Ah, perso depuis Skype, au téléphone avec les amis. Je me suis gouré. Je me suis gouré. Qui vont venir me péter la gueule ou pas? Ou ils ont juste eu peur? Ah, y'a un gros là-bas, regardez, y'a un T-Rex. Un T-Rex géant mutant là. Voilà, là t'exploses, c'est gentil. Merci. Parfait, ils repartent. Merci. Qui les vénère lui? J'ai l'impression qu'il est vénère contre quelqu'un, mais je sais pas contre qui.
s'énerve tout seul en fait. J'ai pas de... Enfin genre y'a pas de feu de camp dans le coin quoi. C'est dégueulasse. On va activer la quête. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir traverser sans me faire défoncer? Sans qu'il me voit. Ah, je pourrais descendre plus bas. Merde, 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 c'est pas les bonnes herbes, c'est pas les bonnes herbes, c'est pas les bonnes herbes. Ça marche pas. Aïe. Ça marche pas du tout hein. Merde. Aïe. Aïe. Je suis coincé, putain.
Mais non mais je... Oh là là, il se passe quoi? Bah voilà. Oh yes. Et merde. Arrête. Oh, c'est atroce. Que ça marche, c'est juste toi qui s'est pas planté un câble dans le sol. Bon, voilà ce qui se passait en fait. Il est en train de se battre avec ceux-là avant, je pense. Oh, super. Il est encore en train de se péter la gueule, le pauvre machin. C'est cool. C'est cool. Ah, Jean-Michel à vous. C'était ça le Blacky, le Jean-Michel à vous, ta tranche de rigolade. Faut accrocher le châssis peut-être. Ouais, je sais pas en fait s'il fallait accrocher des points en particulier quoi. Je déteste Facebook pour ma part, marre d'entendre des trucs importants par ce biais nul. Les trucs importants... Facebook ça pue la merde depuis 2004. Mon ex passe 1 à 2 heures par jour dessus. Mais refuse de l'admettre, waouh. Bah Facebook j'y ai plus depuis 5 ans voire plus si je compte pas les likes au post de la copine de l'époque pour lui faire plaisir. Attends. Voire plus si je... Ah ouais d'accord, ok. Moi j'y vais pour poster des trucs de temps en temps, genre une fois à l'année. Mais sinon, il se passe pas grand chose. Hein. Si vous avez beaucoup les jeux, vous savez, ah là là, si vous résolvez cette équation en mathématiques, vous êtes un génie. Vous faites partie de l'élite. Et il y a une addition, une multiplication, et il faut dire ah là là, merde. La multiplication est donc prioritaire sur l'addition. Ah, quel dommage. T'as 173k à dépenser et tu sais pas quoi en faire. Bah, attends d'avoir le million pour faire les squats. J'oserais te dire. Voilà, les dépense pas et garde-les pour quand les squats arriveront. Non? Est-ce que ça serait pas une bonne idée de les garder pour les squats?
Ah, ma fleur, elle est là. Vous avez vu? Elle est là, ma petite fleur. Ça vient pas des anciens, c'est nouveau. Ça, c'est fait. J'irai bien là du coup. Non, ça arrête plus. Ça arrête jamais dans le jeu là. C'est atroce. C'est atroce, on peut jamais s'arrêter. Il y a toujours une petite quête par-ci, une petite quête par-là. C'est incroyable. J'ai monté d'un niveau ou pas? Non. Not yet. Ah, cochon. Cochon. Ah non, c'est les brouteurs là-bas. On va regarder les brouteurs. J'en fais mon affaire. Vous prenez une flèche enflammée, un brouteur. Voilà, vous lui tirez dedans. Voilà, et tout le monde a peur. Sauf l'autre con là. Mais là c'est pas grave, regardez. Hop, il me regarde. Oh, il s'est caché. Oh! Hop là. T'as vu? Ah, quand il n'y avait pas de timer, j'arrivais à éponger. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu les prenais par 12. Donc évidemment. Je crée un compte Facebook pour débloquer un skin sur un jeu vidéo. Comment ça? Comment ça? Mais maintenant, j'ai 90k. Bah ouais. Va falloir que je trouve... Va falloir que je trouve des... d'autres choses. À rajouter. Lapin. Oh, j'ai entendu un... C'était quoi? Renard. Renard. Bon, c'était pas... J'ai tué un renard? Ah, d'accord. Drama Tipeee, apparemment il pensait à défendre Tipeee, corps et âme sur le financement et tout n'importe quoi, sauf que plot twist. Du suspense. Ouais. J'en ai parlé quand j'ai repris le stream. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai vu ça aussi. Et donc j'en ai parlé. Ah non, mais voilà, t'es en retard. T'es en retard d'1h30 là, Johanna. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? 1h30 de retard sur les news là. Quelle horreur. Voyons. T'es pas à la page. Putain, c'est le Mordor en face. Des gentils ou des méchants? Des gentils. Je me mets mes filles à jouer au parc et je lisais à l'ombre d'un pin, voilà. Alors que tu pourrais baver sur Bruce d'y penser, quoi. À la place. Non mais je te jure. Allez hop, petite pause. Pause. Pause comme ça. Tac, bisous YouTube. On se retrouve très prochainement. Bisous.